Nous sommes face à une situation sociale inédite. En non-spécialiste assumé, je propose une série de vidéos sur des sujets qui nous concernent tous. La différence, ce n'est pas que l'autre. La différence, c'est nous. Je veux mourir. Tu veux mourir au moment où les transhumanistes cherchent les moyens de ne pas mourir? Petit esprit de contradiction, non? Je veux pas voir ce monde changer. Je ne vois qu'avenir sombre. Je ne suis pas très optimiste. Non, là, t'es plutôt ridicule. Dès que je montre un petit peu de prudence, je suis ridicule. Je suis un vieux con conservateur ridicule. Ah ouais, et qui n'a pas cessé de se moquer de moi, de mes idées, de mon idéal? Un idéal? Le transhumanisme, hein? Qui n'a pas arrêté de me diaboliser? Alors que ce que moi je veux, c'est vivre des années en plus. Oh, pauvre chérie! Dépressif, marabout, limité, angoissé de la mort. Exactement, je veux vivre. Tu veux mourir? Eh ben crève! Tu confonds vivre et survivre. Toi, tu es prisonnier de tes certitudes, tu es obtus. Tu n'es que le produit d'un système, mon vieux. Et toi, de ton narcissisme, tu ne parles pas, tu fais des monologues. Un vulgaire produit de ce système qui nous demande d'être plus performants et de dépasser nos limites. Mais le système, c'est qui, si ce n'est pas toi, moi, eux, tout le monde? Restons compétitifs, défonçons notre corps et notre esprit. Mais justement, plus on délèguera aux machines, plus on aura du temps pour nous, moins on sera dans cette course à la performance. Mais ce que tu dis entretient cette logique même et tu t'en rends pas compte. Beaucoup de gens veulent ça, on est tous transhumanistes et depuis longtemps. Tu es aveugle et perverti. On fait de la chirurgie esthétique, on se booste à coups de vitamines, on a des vaccins, on fait de la muscu. C'est ce que je te dis, nous sommes des victimes d'une économie qui nous fout une pression surhumaine. Mais faut pas tout mélanger, il faut regarder devant, pas regarder derrière. Pourquoi regarder devant voudrait absolument dire se foutre des implants dans le ciboulot sans réfléchir? Mais justement, il faut qu'on réfléchisse tous ensemble à ces moyens d'améliorer l'humanité. Améliorer l'humanité, pour moi, ça n'est pas qu'une affaire technique. Retourne dans ton groupe de bioconservateurs flippés. C'est ça. Et toi et tes X-Men, allez vous faire connecter.